Ils viennent faire l'after, et c'est ce que vient de me dire à l'instant Bruno Fuchs, les députés qui ont passé une partie de la nuit, et bien même une grande partie de la nuit, parce que ça s'est fini à 5h du matin, 5h25 le vote, pour le pass vaccinal. Bruno Fuchs est avec nous, député MoDem du Haut-Rhin, bonjour. 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 Les choses sont assez claires. Hugo Bernalicis c'est avec nous aussi, bonjour, vous êtes député de la France Insoumise du Nord. Jean-Lana Capel n'était pas dans l'hémicycle, en tout cas pas dans celui-ci, puisque vous êtes député européen du Rassemblement Bonjour. National. Bonjour. C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions après ce vote et ces trois jours de débats qui ont été chaotiques à l'Assemblée autour de ce pass vaccinal. Mais Amandine Atalaya, bonjour Amandine. Bonjour. C'est passé. Oui. Le vote s'est fait. Oui, c'est assez miraculeux parce que franchement hier, on se disait qu'a priori, ça n'avait plus aucune chance de passer le 15 janvier et que c'était notamment en partie la faute de l'interview d'Emmanuel Macron puisque le président, avec cette interview choc, avait créé des remous à l'Assemblée où certains avaient demandé la venue de Jean Castex qui donc avait retardé le tout. Et puis finalement, cette nuit, ça passe et donc l'espoir du 15 janvier est toujours là, a dit Jean Castex, pour que ce soit définitivement adopté et mis en place, même si vous avez l'air de ne pas y croire un instant. En tout cas, c'est ce qu'il a dit. Vous pouvez ne pas être d'accord, mais c'est ce qu'il a dit. Je vous ferai la démonstration. Je prends les paris. Allez-y, Amandine. Ça m'intéressait de savoir pourquoi. Dès le 29 décembre, je l'avais dit moi-même en commission, que ça ne tenait pas pour le 15 janvier. Déjà, le pass sanitaire, souvenez-vous, ça devait être le 25 juillet, ça n'a pas été le 25 juillet, ça a été reporté et appliqué à partir du 5 août. Pourquoi ? Parce qu'il y a un petit truc dans l'équation, ça s'appelle le Conseil constitutionnel. On peut s'en fiche, mais bon, ils ont 10 jours, même en procédure d'urgence, pour se prononcer sur le sujet. Donc même avec le calendrier initial, ça ne rentre pas pour le 15. Et voilà comment on essaie de tordre le bras à tout le monde, à la fois au parlementaire, d'abord à l'Assemblée, ensuite au Sénat et ensuite aux sages du Conseil constitutionnel. Bon, ça ne tient pas depuis le début. Ce sont des méthodes brutales pour les Français, pour les parlementaires, pour le Conseil constitutionnel. Bon, voilà. Donc, on n'y sera pas au 15. C'est une certitude maintenant, au moment où nous parlons. Bruno Fuchs ? Oui, il n'y a aucune brutalité. Il y a une urgence de situation hier. Vous aviez 332 000 Français qui ont été infectés par le virus, donc qui sont positifs. Et quand vous avez retardé les débats de 48 heures, comme c'était le cas, parce que l'ensemble des oppositions s'est coalisé pour faire retarder les débats, parce que ils ne veulent pas que ce pass sanitaire rentre en application le plus vite possible, eh bien vous, en retardant l'application, vous êtes inconséquent puisque vous laissez un certain nombre de personnes se contaminer. Aujourd'hui, sans vaccin, à 300 000 personnes par jour contaminées, c'est-à-dire sur 10 jours, vous multipliez par 10, on serait dans une situation d'hôpital avec 150 000 personnes en réanimation s'il n'y avait pas le vaccin. Donc la seule façon aujourd'hui d'en sortir, on peut critiquer ce qu'on veut, et moi j'ai bien sûr des problèmes de conscience aussi sur un nombre de décisions que j'ai prises, mais aujourd'hui sans vaccin, on aurait 150 000 personnes. C'est pas le sujet. Mais bien sûr que si, 150 000 personnes et c'est le nombre pas le sujet de morts. Du pass vaccinal. Quand vous passez 4 semaines dans des salles de réanimation, dans le coma, qu'ensuite vous avez une rééducation qui fait 6 mois, etc. C'est un désastre pour la société. Il faut d'abord raisonner en termes de santé publique. Il ne faut pas raisonner en termes de conseil constitutionnel. Pourquoi ce n'est pas le sujet du pass vaccinal ? On doit protéger les Français. Expliquez-nous. On a 91% des gens qui sont vaccinés. Donc la question, ce n'est pas comment on fait pour avoir 91% de vaccinés. On les a. Non. Les doses de rappel, la question, c'est comment on arrive à beaucoup plus que 91 à l'hôpital de Colmar. De toute façon, votre dispositif en place, en vigueur, le vote, celui du pass sanitaire, il existe, il est là. Vous nous aviez dit que c'était celui-là qui était protecteur, qui permettait d'être vacciné et de ne pas être dans une situation critique. C'est le cas, nous sommes vaccinés. Ce n'est pas une situation aussi critique que ça aurait pu l'être. Ça a été mais à un moment donné, quelle est la différence avec ce que vous proposez et la situation actuelle ? Vous voulez 92, 93, 94% de vaccinés ? La différence, c'est que si vous allez avec moi à l'hôpital de Colmar, vous avez 17 personnes qui sont en réanimation. Sur ces 17 personnes, il y en a 16 qui sont non vaccinées. Donc le problème, ce n'est pas les 91 aujourd'hui. Le problème, c'est les 9 qui pour l'instant, 9% de Français, qui ne se vaccinent pas. Et nous, ce qu'on veut, c'est protéger, inciter ces 9% en les insultant. De la population. En les insultant, on les insulte pas. Ils emmerdent, écoutez. Jean-Lana Capel n'a pas encore pris la parole. Donc c'est ça la question, c'est 9%.
votre passe vaccinal, de façon, il cache une réalité, c'est l'obligation vaccinale. C'est ce que vous voulez imposer aux Français. Et nos députés du Rassemblement National ont voté bien évidemment contre ce texte hier, parce qu'il est liberticide dans le fond. La France insoumise aussi, je le précise. Et une majorité de socialistes et une majorité des républicains, etc. Absolument. Et en fait, il impose finalement une discrimination entre les Français, qu'il y a demain, et il y aura demain, en quelque sorte, les Français qui auront une certaine liberté, surveillés s'ils sont vaccinés, et puis il y a ceux qui ne pourront pas aller boire un café ou aller au cinéma tranquillement parce qu'ils ne seront pas vaccinés. Oui. Tout ceci est absolument inadmissible et scandaleux. On crée des citoyens de seconde zone et qui se font insulter en plus par Emmanuel Macron, parce qu'il ne faut quand même pas oublier cette petite phrase qu'il disait, puisqu'il leur retire même la citoyenneté, puisqu'il estime qu'ils ne sont pas responsables, qu'ils ne sont pas vaccinés. Il estime même qu'ils ne sont pas citoyens. Donc en fait, en quelques pas, il déchoit de laisser les Français les non-vaccinés. C'est absolument grave auprès de 10% de la population française. Quand on est président de la République, on doit être digne de sa fonction, on doit être digne de son statut, on doit rassembler plutôt qu'exclure, on doit convaincre plutôt que contraindre, on doit plutôt écouter plutôt que insulter. Emmanuel Macron aura passé son temps à mépriser les Français depuis le début de son quinquennat. Et hier, je crois qu'il l'a démontré une nouvelle fois. Ça, je ne veux pas rentrer là-dedans, c'est vous qui portez c'est les Français comme jugement. Le pense, hein. Bien évidemment, il y a une différence entre les Français. Quand vous allez dans un hôpital, vous avez des gens qui sont non vaccinés pour la très grande majorité. Vous devez faire en sorte qu'ils se vaccinent. Vous devez les protéger. C'est ça notre rôle à nous. C'est les protéger. C'est ça qu'il faut faire. Comment ? Eh bien, l'idée, c'est d'empêcher qu'ils soient dans l'interaction avec les autres. Parce qu'aujourd'hui, quand vous interagissez... Mais ils n'y sont pas aujourd'hui, ceux-là. Mais sûr que si. Vous avez 16 sur 17 personnes à l'hôpital de Colmar qui sont aujourd'hui en réanimation. Donc d'accord, la différenciation des populations, c'est pas la loi qui le fait. La loi, elle le fait parce que le virus le fait. Le virus, il va aujourd'hui s'attaquer principalement sur des formes graves à des gens qui ne sont pas vaccinés. Donc c'est bien le virus aujourd'hui qui crée cette ségrégation. Mais vous les vaccinez tout le monde. Pardon ? Vous voulez vacciner tout le monde, malgré tout. Inciter. Et vous trichez avec les chiffres. Hein, non. Parce que vous dites que la majorité des gens qui sont aujourd'hui en réanimation ne sont pas vaccinés. Je vais répondre à votre question. 49% des gens ont reçu le double vaccin aujourd'hui des gens en réanimation et 10% 3 doses. Ce qui veut dire que 60% des Français aujourd'hui en réanimation sont vaccinés. On avait vendu le vaccin comme la solution une et unique. On s'est bien rendu compte que finalement non, parce que le vaccin ne vous permet pas finalement de recevoir le virus de nouveau et ne vous interdit pas de le transmettre. J'aimerais, s'il vous plaît, qu'on avance un tout petit peu dans le débat et qu'on revienne sur les fameuses petites phrases du chef de l'État dans le Parisien. Écoutez ce que répond Jean Castex ce matin, qui était interrogé par Jean-Jacques Bourdin, sur notamment l'irresponsabilité qui pourrait, au fond, vous priver de votre statut de citoyen. C'est ce que sous-entendait Emmanuel Macron. Écoutez Jean Castex. Nous souhaitons, je l'ai dit d'ailleurs, souvenez-vous, à plusieurs reprises dans mes interventions publiques, de plus en plus faire peser la pression sur les non-vaccinés. Nous avons un problème. On va continuer à faire peser sur eux la pression. Et le président de la République, vous allez les emmerder. Mais le mot dans la vie courante, c'est pas gênant. Le mot est dans la vie courante. D'ailleurs, vous l'avez dit, vous êtes suffisamment éclairé sur tout ça. Emmerder les Français, emmerder les Français, petite touche historique, vous savez très bien, c'est une formule, l'emploi du mot, puisque c'est ce qui semble choquer. C'est une formule qu'avait employée le président Pompidou. Ne jouons pas sur les mots, bien entendu. Les non-vaccinés restent des citoyens. Ce qu'a voulu dire le président de la République, et que je vous confirme, au contraire, que je relaie avec force, c'est que quand on est citoyen de notre belle République, on a des droits, mais on a aussi des devoirs. Ça s'appelle le civisme, ça s'appelle le sens des responsabilités. Jean Castex obligé de faire le service après-vente de l'interview d'Emmanuel Macron. Amandine Atalaya, est-ce que c'est un rétropédalage, c'est une nuance ou au contraire c'est une façon d'assumer? Comment voyez-vous les propos de Jean Castex? Tout ça pour ça, parce qu'en fait, Jean Castex n'emploie pas du tout les mots qu'emploie Emmanuel Macron, c'est-à-dire qu'il redit ce qu'Emmanuel Macron aurait dû dire dès le début, à savoir qu'évidemment, les non-vaccinés sont des citoyens. Ils ont des droits et des devoirs, certes, mais ils n'enfreignent absolument pas la loi en décidant de ne pas se vacciner. C'est là leur liberté. Et si le président voulait aller au bout de sa pensée, il faudrait une obligation vaccinale s'il considérait que ces gens-là ne respectent pas le contrat citoyen. Or, Emmanuel Macron, dans l'interview, est clair aussi. Il dit qu'il ne veut pas d'obligation vaccinale parce qu'il ne sait pas quelles sanctions il faudrait mettre et comment il s'y prendrait.
considérés. Et c'est là qu'est le débat aujourd'hui. D'autres pays qui n'emploient pas de mots comme Emmanuel Macron, comme l'Italie, mais qui font des actes. Par exemple, l'Italie a décidé de la vaccination obligatoire pour les plus de 50 ans. Certains responsables politiques en France, comme Édouard Philippe, y sont aujourd'hui favorables. Donc le vrai débat est là désormais. Bien. Votre commentaire sur ce qu'a dit Jean Castex ce matin. D'une part, je reprends ou je relève la petite touche historique quand il cite le président Pompidou. Pompidou disait qu'il faut arrêter d'emmerder les Français, ce qui est bien différent de ce que disait Macron. Qui c'était sur l'utilisation du verbe. Ouais, mais je vais leur pourrir leur vie quotidienne. Et ça, c'est inadmissible de la part d'un président de la République, enfin, puisque je le répète, pour son paraphraser devoir, ce que disait Jean Castex, c'est de rassembler les Français. Attendez, pour paraphraser ce que disait Jean Castex ce matin, exactement sur ce sujet, il disait, mais quoi, il faudrait les féliciter? Ces Français qui ne se battent pas. Non, il faudrait simplement les convaincre. Il faudrait les convaincre. Arrêter de leur mentir et arrêter de prendre des décisions qui sont contradictoires et absurdes depuis le début. Monsieur Lacapelle, si vous permettez, ça fait un an qu'on essaie de les convaincre. Mais écoutez, mais il y a 92% des Français qui sont vaccinés. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On avait dit qu'au départ, le vaccin serait la solution. Puis ensuite, on leur a dit qu'il faudra une deuxième dose. Après, finalement, pour les contraindre, on a inventé le pass sanitaire. Puis on le transforme en pass vaccinal. Puis maintenant, on nous annonce qu'il faut une troisième dose. Et puis demain, il y aura une quatrième dose. Mais on va continuer comme ça combien de temps? Même Israël est en train de revenir. Même la communauté scientifique, qu'on est en train de bâillonner d'ailleurs, la communauté scientifique n'arrive pas à trouver un compromis et un consensus. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il faut aussi apprendre un petit peu à vivre. Parce que derrière se cache une réalité. Derrière se cache une réalité, c'est l'effondrement de l'hôpital. Parce que si nous n'avions pas supprimé plus de 18 000 lits sous le quinquennat de M. Macron, dont 5 700 pendant l'année 2020, en plein Covid, si nous avions suffisamment de capacités hospitalières pour recevoir les malades, si nous n'avions pas 20% de soignants à la maison suspendus de leur contrat de travail, je pense qu'aujourd'hui, nous aurions des capacités sanitaires qui ne seraient pas saturées comme elles le sont aujourd'hui. C'est là qui cache la forêt. Et c'est là que, derrière ce mensonge, finalement, il y a ce pass vaccinal qui est une véritable imposture. Hugo Benalicis, comment réagissez-vous au propos de Jean Castex ce matin? Bon, écoutez, nous, on est sur la ligne toute simple, qui est celle de l'Organisation mondiale de la santé depuis le début. Depuis le début de la pandémie, convaincre plutôt que contraindre. Parce que ça, c'est un objectif de longue durée, de long terme. On a toujours su qu'il y aurait des vagues successives. Vous vous souvenez, Jean-Luc Mélenchon était un des premiers à dire qu'il y aura sans doute une deuxième vague. On s'était moqué de lui. Et oui, c'est n'importe quoi, notamment au Sénat. Bon, on en est à la cinquième. Il a dit d'autres choses qui étaient moins glorieuses. Il en est à la cinquième, d'accord? On a dit qu'il faudra vivre avec ce genre, au moins avec ce virus-là, pendant un bon bout de temps, et avec ces épidémies également. Et que donc, c'est en citoyen éclairé que nous pouvons affronter la situation, pas en tordant les bras à intervalles réguliers. Et je vous adjure de comprendre cela. Ça fait 2 ans, non pas qu'on essaye de convaincre, mais qu'on fait tout pour contraindre les gens. Pire encore, ça fait 2 ans qu'on n'apprend pas que le gouvernement n'apprend pas de ses erreurs ou de ses mensonges. C'est bien la contrainte qui fait qu'il y a 91% de Français qui sont... Non, il y a des pays qui n'ont pas utilisé ce type de contrainte, à savoir le pass sanitaire, ou qui viennent seulement de le mettre en place et qui ont un taux de vaccination aussi élevé. Souvenez-vous, en juillet, nos voisins espagnols, ils ont mis beaucoup plus tard que nous en place tout ça, ils avaient un taux de vaccination, notamment des publics fragiles. Ce sont les plus âgés. Ce sont les seuls. En Allemagne, les non-vaccinés sont confinés. En Allemagne, les non-vaccinés sont confinés. Et alors, vous trouvez ça génial? Au Canada, mais ils sont obligés de le faire. Nous, on ne le fait pas. On a une stratégie. Mais on ne le fait pas. On ne le fait pas parce que notre stratégie vaccinale. S'il vous plaît, parce qu'il y a la question de l'hôpital qui est revenue sur la table. Mm-hmm. Moi, les gens comme ceux du Rassemblement national me font doucement rigoler. Quand vous regardiez leur programme des précédentes présidentielles, il fallait diminuer les cotisations sociales pour augmenter le salaire net. Vous savez ça? Les cotisations sociales, ça sert à quoi? À part à financer l'hôpital public, notamment. Ça sert à quoi? Ils veulent tous supprimer des fonctionnaires dans leurs programmes respectifs. Et à la fin, ils sont là. Il nous manque des soignants, il nous manque des aides-soignants, il nous manque des personnels hospitaliers. Oui, on a un vrai problème à ce sujet. Et il est temps de revaloriser l'hôpital public. Sauf qu'il était censé y avoir un moratoire. C'est ce qu'avait annoncé Olivier Véran au début de la crise. Nous ferons un moratoire sur les fermetures de lits. C'est fini. Il y avait un directeur de l'ARS qui avait été limogé à l'époque. Vous vous souvenez? Vous vous en souvenez, monsieur Toussaint? Bien sûr. Dans la première vague. Et quand on regarde les chiffres, les lits ont été fermés, dont 500 de réanimation. Dont 500 en réanimation. Bon, ça suffit à la fin. Pourquoi on s'en prend aux non-vaccinés de la sorte? Pour les contraindre et non pas pour les convaincre. Parce que ce sont les boucs émissaires d'une situation, d'une incurie. Vous n'avez plus vos réponses, si vous voulez bien. Et il n'y a toujours pas de purificateur d'air, et il n'y a toujours pas de masque FFP2 gratuit. S'il vous plaît. Il n'y a toujours pas de test gratuit pour tout le monde, et il n'y a toujours pas la stratégie d'aller vers. Test gratuit? Oui, de tests gratuits pour tout le monde.
Ah oui. Ah bah oui, bah vous faites ah oui. Bah, oui mais... Si on veut pas que ça contamine, on le fait pour tout le monde. C'est... Si c'est un impératif, un enjeu de santé publique. Si vous voulez que ce soit gratuit, vous faites vacciner. Ah bon, pour essayer de. Mais non. Répondre. Bah si. Mais non. Bah si, c'est gratuit mais pour non, les gens vaccinés. Mais non, parce qu'à la fin, vous avez un raisonnement qui est problématique, parce que celui qui ne veut pas se faire vacciner. Et que ne fait pas tester, il devient contaminant et ça devient un autre problème et que ben, vous avez sur les bras et à la fin vous le retrouvez en réanimation. Bruno Fuchs, enfin, l'objectif c'est de régler le problème. C'est lui qui doit vous répondre. D'abord, la question est que, pour vous répondre, c'est que les formes de variants changent. Quand vous êtes avec un variant Omicron, vous devez changer de méthode et de stratégie. Donc aujourd'hui, à l'époque, il fallait avoir un taux de vaccination de 80, on disait, ensuite 90. Là maintenant, la question, elle est celle des 9%. En interagissant, c'est eux qui se contaminent et ceux qui contaminent les autres. Donc il faut essayer d'éviter l'interaction de ces 9%. C'est ça la cible principale des mesures que l'on a prises. Ensuite, elles sont extrêmement... Par exemple, quand vous avez mis en place la ceinture de sécurité, eh bien, on a eu les mêmes réactions. C'est effectivement liberticide. On a protégé des centaines, des milliers, des millions de vies. Lorsqu'on a empêché les personnes de fumer dans les lieux publics ou dans les restaurants, bien sûr que c'est liberticide. Il y a eu des manifestations. Aujourd'hui, on sait que ça a sauvé des centaines de milliers, peut-être des millions de vies. Donc ça, c'est la première chose. Enfin, vous perdiez pas votre boulot au passage, quand même. Ça, c'est la première chose. Mais il faut aller très vite. Il y a une proportionnalité. Vous avez 300 000 personnes contaminées hier. C'est pas demain qu'il faut prendre des décisions. Mais c'est vous qui êtes aux responsabilités. Pas nous, c'est votre bilan. C'est pour ça. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, on prend des décisions. C'est fort de café quand même cette histoire. C'est pour ça. Mais vous entendez, vous croyez que ce sont les oppositions qui sont responsables de la situation. Je dis qu'il ne faut pas traîner. Monsieur Fuchs, moi je suis d'accord. Je veux terminer mon explication. Non mais moi je serais d'accord avec vous, à une condition. C'est que vous me démontriez que le vaccin est la solution pour protéger les gens et pour éviter les morts que vous évoquez. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, vous protégez les formes graves. Oui. Et ça, c'est reconnu unanimement. Et bien alors, c'est bien ça, les formes graves. C'est quoi les formes graves? C'est la mort. Pourquoi vous imposez aux jeunes le vaccin? Pourquoi vous imposez à toutes les populations et à toutes les tranches d'âge le vaccin? 260 personnes sont mortes en France hier. 260 personnes sont mortes en France. C'est l'équivalent d'un avion. S'il y avait eu un crash d'avion hier, on aurait les titres. Combien de variants Omicron, c'est ça. Ils vont arriver dans les hôpitaux, le variant Omicron. On ne séquence pas en France. Pour identifier. Attendez, vous savez tout mieux que tout le monde. Laissez-le finir, s'il vous plaît. La deuxième, c'est que la stratégie qu'on a mise en place permet aujourd'hui d'avoir un certain nombre de gestes de la vie quotidienne que l'on peut faire. On peut aller au restaurant, on peut voyager. Vous allez au Canada. Eh bien, au Canada, ils ont supprimé les allocations chômage pour les gens qui ne sont pas vaccinés. Mais oui, mais du coup, ça renforce la vaccination. Bien sûr qu'on ne va pas le faire, parce qu'on a une stratégie qui est différente et qui reconnaît d'autres façons, d'autres comportements. Bien. Voilà. Et ça marche, vous l'avez dit. Hier, vous aviez 66 000 personnes. Vous aviez 66 000 personnes qui sont primo vaccinées grâce aux interventions du président de la République et grâce à l'intervention, ça va sauver. Combien de personnes vont être sauvées? Voilà, peut-être des dizaines de morts en moins, de gens qui vont être blessés. Terrible, c'est que vous pouvez être vacciné demain. C'est demain. Et donc transmettre le virus à quelqu'un. C'est aujourd'hui, là, c'est êtes, pas demain. Et vous êtes très amant, et on vous considère comme quelqu'un d'immunisé, qui a toutes les libertés d'agir et de bouger, et alors que vous pouvez tester non vacciné et tester négatif, et là vous êtes un varia, vous êtes un citoyen de seconde zone, aujourd'hui, vous êtes dangereux. C'est ça qui pose un problème. Aujourd'hui, on dit les personnes qui ne prennent pas de ceinture de sécurité ou qui ne la mettent pas, c'est-à-dire qui ne se vaccinent pas, ils ne doivent pas prendre la voiture, ils doivent limiter leur interaction. On va attendre 3 semaines que le variant soit passé, que la vague soit passée. Bien. Et après, ils vont sortir. S'il vous plaît, voilà, j'aimerais très, très limité. La campagne présidentielle, vous le savez évidemment, est entrée maintenant dans son vrai rythme. Nous sommes à 3 mois du premier tour. Et Valérie Pécresse fait parler d'elle aujourd'hui, ce qui était un peu moins le cas d'ailleurs ces derniers jours, avec une déclaration choc à la une du journal La Provence, puisque la candidate qui d'ailleurs en visite dans le Sud aujourd'hui, dit qu'elle veut ressortir le Karcher de la cave. Hugo Banalicis, qu'est-ce que... Alors, elle est d'ailleurs, regardez, ce sont des images en direct, elle vient d'arriver à Salon de Provence, où elle est en visite toute la journée. Qu'est-ce que ça vous inspire, Hugo Banalicis, cette punchline que nous allons analyser tout au long de la journée?
J'hésite en fait. Soit vous faire la fatigue peut-être aussi. Non, de la nuit à l'Assemblée. C'est pas ça qui me fait hésiter, c'est parce que je suis un excellent imitateur de Nicolas Sarkozy, donc je pourrais vous faire une belle imitation en lui disant que quand même. Bah allez-y, je vous en prie. C'est un peu surfait, Madame Pécresse. Bon, il y a non mais il y a. Ils savent plus quoi inventer pour se démarquer, se distinguer. C'est la surenchère permanente à droite, entre Zemmour, entre le gouvernement et les Républicains. Enfin voilà, tout le monde y va de son petit mot pour exister dans le débat public. Non, alors qu'on pourrait avoir des débats rationnels sur les questions de sécurité, de délinquance, de justice. Vous savez que ce sont des thèmes que j'affectionne particulièrement, sur lesquels je travaille pour la France Insoumise. Et là, voilà, on hystérise le débat et à la fin, on règle pas le problème. C'est tout. Bon, sans parler qu'on fait la publicité pour une marque en particulier, d'autres modèles qui sont efficaces aussi. Et souvenez-vous, à l'époque, c'est de triste mémoire, c'est le moment où ça va pas bien dans le pays, dans les quartiers populaires. Bien sûr. C'est le moment où il y a des blessés, à la fois du côté des policiers et à la fois du côté des... Bon, est-ce qu'on a envie de revivre ça ? Non. Non, on n'a pas envie de revivre ça. On a envie d'une situation qui s'apaise. Pas de venir là, au Karcher, au lance-flamme, ou à ce que vous voulez. On a besoin de sérénité, de tranquillité, de justice. Voilà, de ce dont on a besoin. J'ai deux réflexions. La première, c'est que Karcher, elle devrait sortir pour karchériser son propre camp. Parce que hier soir, les LR, les Républicains, ont voté pour un tiers pour la loi. Un tiers s'est abstenu et un tiers a voté contre. Donc elle a absolument le bordel dans son parti. Elle a intérêt à sortir le Karcher pour elle. Et deuxièmement, si elle veut le sortir pour les quartiers, pour son parti, hein, quand je dis elle, c'est pour son parti. Quand elle veut sur les quartiers, c'est triste mémoire. Ça montre la vacuité et l'inefficacité. C'est Nicolas Sarkozy qui avait dit ça il y a plus d'une dizaine d'années. Et on a vu le résultat. Il y a eu zéro résultat. Donc, à part les mots, moi, j'aurais évité de sortir cette formule parce que ça montre au contraire l'inefficacité de la politique. Journal République. Vous ne seriez pas contre ressortir le Karcher ? Moi, je trouve ça un petit peu risible. Puis, très sincèrement, un Karcher dans chaque main pour eux. Non, mais le Karcher, d'abord, n'est jamais sorti. Très sincèrement. Alors, si elle parle, si elle évoque honnêtement le Karcher ou le quinquennat du Karcher, le quinquennat de M. Sarkozy, il faut quand même que je rappelle à Valérie Pécresse que c'est 12 500 postes de policiers et de gendarmes qu'elle a supprimés quand elle était ministre du budget sous Sarkozy. C'est 200 000 immigrés par an, c'est-à-dire 1 million sous quinquennat de Sarkozy, qui sont rentrés. Donc Valérie Pécresse, elle m'amuse avec ses punchlines, comme vous le disiez. Quand on est en campagne électorale, elle sort les muscles. Et puis quand elle est aux commandes ensuite, elle fait tout le contraire. Et ça a toujours été, bien sûr, le grand paradoxe et la grande hypocrisie des Républicains. Oui, mais alors, Amandine Atalaya, elle est dans une situation un peu compliquée, Valérie Pécresse, en ce début d'année 2022. Elle doit trouver un chemin, un espace politique entre La République En Marche, Éric Zemmour, Marine Le Pen. Il faut qu'elle. Oui, bah, c'est-à-dire qu'elle fait comme les autres pour essayer d'exister et d'occuper le champ médiatique et le champ politique comme beaucoup d'autres. Elle sort de temps à autre quelque chose d'inflammable pour essayer d'attirer l'attention. Mais il est vrai qu'elle a très peu d'espace, Valérie Pécresse, puisqu'on ne parle que de la crise sanitaire. Et Emmanuel Macron, par sa position naturelle de chef de l'État, forcément fait autorité sur le sujet puisque c'est lui qui prend les décisions. Donc elle a bien essayé, Valérie Pécresse, d'avoir des propositions, elle aussi. Par exemple, repousser la rentrée scolaire pour essayer de rentrer dans ce débat du sanitaire, mais ça ne marque pas suffisamment, donc elle revient sur des thèmes qui sont les thèmes traditionnels de la droite en sortant une phrase choc pour essayer de faire venir à elle, en effet, les commentaires. Tout comme, il y a quelques jours, elle avait déjà essayé de lancer une polémique sur le drapeau européen pour, là aussi, essayer de s'insérer dans un petit créneau d'existence. Mais il va falloir que la droite fasse mieux que cela pour arriver à non seulement poser des débats intéressants sur le fond dans cette campagne, et pour arriver aussi à monter dans les sondages, puisque pour l'instant, Valérie Pécresse stagne, ce n'est pas catastrophique, elle est autour de 16%, et elle n'est pas qualifiée d'office, il n'y a aucune certitude qu'elle soit qualifiée pour le second tour, et puis ça pose quand même la question, pour finir, du renouvellement des propositions de la droite, reprendre des propositions que faisait Nicolas Sarkozy il y a plus de 10 ans, forcément ça pose problème aussi. 10 secondes s'il vous plaît. J'ai envie de dire à Valérie qu'il faudrait qu'elle se renouvelle un petit peu, récupérer comme ça des anciennes phrases sans faire de propositions, c'est un peu petit. Voilà ce que je voulais vous dire, M. Toussaint. Il l'a fait. Ben oui, je l'ai fait, mais parce que... Il a fait. C'est pitoyable, quoi. C'est pitoyable. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise, moi ? Elle est où, la proposition, par ailleurs, de Valérie Pécresse ? Elle est où ? C'est pas une proposition, le Karcher ? À l'époque, il y avait une proposition de M. Sarkozy. Il avait liquidé la police de proximité. Ouais. Et elle nous manque aujourd'hui. Elle nous manque. Et on la remettra en place. Cette campagne est décidément pleine de surprises. Elle est pour le pass vaccinal. Elle a deux tiers des Républicains qui sont contre.
si elle avait été au pouvoir, qu'est-ce qu'elle aurait fait? Ça aurait été le chaos dans son propre camp. Donc heureusement qu'elle n'est pas au pouvoir, heureusement qu'elle n'a pas eu à gérer cette crise. Il y a 5 ans, jour pour jour, dans les sondages, François Fillon était élu président de la République, rappelez-vous, à la même époque. Donc je crois que maintenant la campagne a commencé, oui. C'est une très bonne chose, place au projet, place Merci. Au débat. Et moi, j'attends de voir Valérie Pécresse, en effet, qu'elle nous parle de son projet sur la lutte contre l'immigration, son projet sur les retraites, son projet sur les services publics. Et vous verrez que là-dessus, elle perdra rapidement les couleurs qu'elle a pu avoir à l'issue de sa primaire au sein des Républicains. Merci. Vous en avez d'autres ou... Non, je sais faire que celui-là. Vous le tenez pas mal, il faut quand même un peu casser du débat. Petit, ça doit être ça, je pense. Ça doit être, voilà. Merci beaucoup à tous les quatre. Dans quelques instants, le professeur Gilles Pialoux est l'invité de BFM TV. À tout de suite.